Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mardi 22 avril, chasse à l'œuf à Vieux-Boucau. Société civile 2017, une nouvelle association. Les 10 miles d'Ebaïne. Polar, atelier écriture. Concert de Scarecrow à la Mamiselle. Et pour finir, votre agenda. En ce dimanche de Pâques, de nombreuses communes avaient organisé une chasse aux œufs. À Vieux-Boucau, les enfants ont cherché les traditionnels œufs de Pâques d'une façon plutôt originale. Dimanche 20 avril, se déroulait sur la plage du lac marin de Vieux-Boucau la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Celle-ci a eu lieu d'une manière très surprenante. Aujourd'hui, on a voulu donc faire une chasse aux œufs un petit peu particulière. En l'occurrence, à l'aide de détecteurs de métaux, on a caché dans le sable des œufs en chocolat, donc qui sont filmés dans de l'aluminium, qu'on a filmé en plus du film alimentaire pour pas qu'il y ait de sable. Et on cache donc ces œufs dans le sable. Et les enfants, à l'aide de détecteurs de métaux, essaient de les retrouver. Donc, c'est une animation qui marche très bien. Ça fait 5 ans qu'on le fait. On a du monde là jusqu'à 1h de l'après-midi. On va avoir du monde. C'est original et puis très intéressant pour les enfants surtout. Ça fait découvrir la région aux enfants sous une autre manière que les sentiers pédestres et tout. C'est intéressant et amusant en même temps. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Et donc ça permet de découvrir d'autres choses et c'est intéressant pour les grands parce que c'est culturel et après pour les petits ça se confond avec Pâques donc voilà c'est pas mal. Alors l'Amicale Détection Langue Gascogne, donc on est une association donc de passionnés de détection de métaux, d'utilisateurs de détecteurs de métaux, donc depuis plus d'une dizaine d'années qu'on existe. On fait donc de la recherche dans les champs avec autorisation des archéologues. On fait aussi de la recherche l'été pour les gens qui perdent des clés ou des bijoux sur le sable, dans la plage, etc., ou dans l'eau des lacs. On propose nos services gratuitement. Alors on est une trentaine de membres pour faire tourner l'association, plus ou moins éparpillés sur les Landes, pour qu'on ait des membres un peu partout pour les interventions des objets perdus. Et nous faisons aussi des objets perdus, si vous voulez, bon, les agriculteurs peuvent faire appel à nous s'ils ont perdu des objets de matériel agricole, ce qui nous arrive régulièrement, au moins quand ils plantent ou tout ça, ou quand ils coupent des arbres, ça peut arriver de perdre des outils, et ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Donc il n'y a pas de tarif de prestation ou quoi que ce soit, les gens nous donnent ce qu'ils veulent au niveau de la prestation. Ça peut aller de la bouteille de vin, à la bouteille de whisky, ou à l'apéritif, après ça peut être le petit billet pour l'association, donc ça c'est partagé entre l'association et le membre. Et notre numéro de téléphone pour nous contacter, vous le trouverez sur un site qu'on a, et sur tout ce qui est mairie, gendarmerie, police municipale et office du tourisme. Le but c'est de montrer une image un peu différente des utilisateurs de détecteurs de métaux. En l'occurrence, de montrer que nous ne sommes pas des pilleurs, que nous sommes des gens qui venons faire partager notre passion, avec surtout bon, avec des enfants et puis les parents, bien évidemment. Donner à la société française une capacité d'expression politique, telle est la volonté de Michel Guéner, avocat parisien. Il a donc créé l'association Société Civile 2017. Nos journalistes l'ont rencontré à Hossegor, en présence de Chantal Duplex, présidente du club local. Parti du constat que les Français attendent autre chose de leurs responsables politiques, Michel Guéner a fondé en septembre dernier le club Société Civile 2017 afin de donner la parole à la société civile dans l'optique de la prochaine élection présidentielle. Notre sentiment, c'est qu'il y a un décalage, un fossé considérable entre la classe politique et la société civile. Alors, l'abstention en est une manifestation, mais les manifestations sont nombreuses et elles existent depuis très longtemps. On a une classe politique qui vit refermée sur elle-même et qui ne donne plus la possibilité à la société réelle, la société civile, d'être représentée et d'être écoutée. Et ce que nous avons souhaité, c'est justement donner à cette société civile la capacité de s'exprimer politiquement. L'association fonctionne à partir de clubs locaux qui, à terme, devraient mailler tout le territoire, avec pour base de travail un questionnaire commun. Alors, on est en train de monter quelque chose à Dax, à Biarritz, et on va faire des petits îlots comme ça, parce que je pense qu'il est inutile de travailler à 100 personnes ou même à 30 personnes, ça, c'est inefficace. Par contre, de travailler sur une ou deux questions à 3 ou 4, c'est plus important et on va plus dans le fond des choses.
Mais notre président nous a facilité le travail parce qu'ils ont édité avec tout le staff qui l'entoure 40 questions auxquelles on a 3 ans pour y répondre à plusieurs personnes, à plusieurs groupes. Et même si à Dax, on prend quelques questions qui sont similaires à celles que nous aurons ici posées, eh bien, aucune importance, les points de vue seront différents. On veut être très efficace. On ne veut pas faire une sorte d'inventaire farfelu d'idées qui viendraient de toutes parts. On veut être certain que ce qui vient de la société civile, c'est vraiment quelque chose qui correspond à des intérêts profonds, à des métiers, des expériences, et non plus à ce carriérisme politique qui est vraiment fatal à notre pays. Mais on va le traduire, on va l'écrire, bien évidemment. Le Club Société Civile 2017 a donc pour but de créer un programme de travail pour ce qu'il souhaite être en 2017, la grande alternance. On aura une élection présidentielle, c'est la seule élection qui compte dans le pays aujourd'hui. Et dans toutes les grandes démocraties du monde, c'est l'élection présidentielle qui attache l'intérêt des gens. Ce que nous souhaitons, Chantal et moi ici et partout ailleurs en France, c'est que dans la grande famille de la droite et du centre, où seront organisées des primaires, un homme ou une femme de la société civile soit présente, soit candidat aux primaires, et à côté d'hommes politiques plus chevronnés, s'exprime en homme ou en femme nouveau, et exprime le long travail qu'on aura fait pendant 3 ans. Tel est notre objectif. C'est un objectif politique. Mais on ne crée pas un parti politique pour présenter une multiplicité de candidatures. On a un objectif qui est 2017, c'est un objectif éminemment politique, mais notre démarche, c'est bien de rester fidèle à notre origine, qui est la société civile. Pour prendre part au débat, créer ou adhérer à un club local, rendez-vous sur le site sociétécivile2017.fr. Et maintenant, voici quelques infos sur les différents travaux qui se déroulent à Dax, engendrant des modifications de circulation. Tout d'abord, dans le cadre de la finalisation de l'aménagement du pôle d'échange multimodal de Dax, des travaux sont réalisés durant les vacances de Pâques. Des perturbations sur la circulation des bus avenue de la gare sont à prévoir jusqu'au 25 avril. L'arrêt de bus est repositionné temporairement avenue Saint-Vincent-de-Paul. Quant au grand chantier du contournement est de l'agglomération d'Acquoise, il va connaître une nouvelle étape très importante avec le raccordement de cette voirie au centre-ville de Dax. Ce raccordement sera réalisé du 22 avril au 31 juillet. Pour l'essentiel, il faut noter le 23 avril la fermeture du boulevard Yves du Manoir. La ligne 1 du bus Cour-Alain sera déviée. Seul l'arrêt de la Croix-Blanche ne sera pas desservi. Et du 24 avril au 22 juillet, la circulation sera alternée de 7h30 à 18h sur le boulevard Yves du Manoir. À présent, un peu de sport. À l'automne 2002, un petit groupe de passionnés décida, au gré d'un footing, de ressusciter l'épreuve de course à pied qui empruntait jadis les allées de Cabreton et Hossegor. Ainsi sont nés les 10 miles des Baïnes, programmés chaque dimanche de Pâques à Cabreton. Malgré une petite pluie au départ, plus d'un millier de coureurs ont pris part à ces 10 miles des Baïnes, record battu pour cette 12e édition. Nous avons franchi le cap des 1000, c'est-à-dire nous sommes à peu près 1100. Donc c'est un chiffre et c'est un seuil qu'on a toujours voulu franchir, mais il y a 12 ans déjà. Donc c'était un seuil qu'on ne pouvait pas réussir à franchir et aujourd'hui on l'a réussi. Donc merci à tous ceux qui nous ont aidés. Je parlais tout à l'heure des bénévoles, des mairies de Cabreton et de Segor et des sponsors qui nous ont bien aidés depuis 12 ans. Voilà. Depuis sa création, les 10 miles des Baïnes ne cessent d'attirer de plus en plus de passionnés de course à pied qui s'élancent sur un parcours de 16 km 161 entre Cabreton et Hossegor, avec pour parrain Michel Jazzy, ancien champion du demi-fond. La dénomination des 10 miles des Baïnes, ça, c'est surprenant. Les 10 miles, pourquoi pas un semi-marathon, etc. etc. Eh bien, ils ont voulu me tirer un coup de chapeau, les copains, puisque j'ai eu le record du monde du mile. Et alors on s'est dit, on va rajouter quelques kilomètres de plus, on va faire les 10 miles. C'est un parcours extraordinaire qui a un très beau profil, il n'y a aucune difficulté pour ainsi dire. Un peu de sable, c'est peut-être la seule difficulté qu'il peut y avoir, mais en dehors de cela, c'est un parcours très roulant et les performances sont bien réalisées. Si les premiers bouclent le tour en moins de 55 minutes, la grande majorité des coureurs viennent pour se faire plaisir sur un tracé entre le port, le lac et la plage.
Je dirais une bonne centaine, voire 200 premiers, c'est la compète, et c'est toujours ça, ce qui est logique, parce qu'il faut être compétiteur, et le reste, je pense qu'il y a des bons coureurs, et après, il y a des coureurs qui, pour se faire plaisir, donc ils le font à leur rythme, et en plus, avec un parcours, avec le front de mer, Mise à bord, le lac, c'est vrai que c'est un cadre très très sympa, et en plus, on essaye de faire dans la convivialité, et ce qui est le cas, et c'est pour ça que le succès est grandissant. Alors, je ne sais pas jusqu'où on va s'arrêter, mais bon, là, on est quand même au taquet, voilà. Je m'appelle Pierre, j'habite à Anglette et un parcours très agréable, très sympa, un peu humide au début mais bien très sympa, agréable, du monde, roulant, des parties un peu difficiles avec du sable mais c'était très agréable et chaque année c'est un grand plaisir de venir ici quoi. Bonjour, moi c'est Fabien de la Benne et ça fait la troisième année que je le fais et il est toujours aussi bien. On n'a pas eu de pluie un peu au départ mais à part ça, super. Comme d'hab. C'est la première fois que je fais cette course. C'était dur quand même. Le terrain, avec les intempéries qu'il y a eu, le terrain est très, très difficile. Et on est souvent en ligne ou pour ne pas avoir à se doubler dans des conditions difficiles, on reste les uns derrière les autres. Et quand on prend vraiment le parti de doubler, on va dans des terrains donc de sable plus ou moins difficiles. C'est pas de tout repos, on va dire, quoi. C'est pas de la course de route. Je reviendrai pour voir pour... courir, pas forcément dans un temps meilleur, mais dans de meilleures conditions. Voilà. Cette 12e édition a été remportée par Lionel Pétriac avec un chrono de 53 minutes et 57 secondes. La première féminine, Christelle Larère, achève la boucle en 1 heure, 4 minutes et 7 secondes. Si vous aussi, vous voulez rivaliser avec ses compétiteurs ou tout simplement profiter de la course, rendez-vous l'année prochaine pour Pâques à Cabreton. Cette année, le Salon du Polar de Vieux-Boucau fête sa 5e édition. En amont du salon qui se tiendra les 30 et 31 mai prochains, de nombreuses animations ont lieu dans les différentes communes de Max. À Tyros, par exemple, quelques ados ont pris part à un atelier d'écriture avec l'auteur Sébastien Gendron. Dans l'espace réservé aux romans jeunesse de la bibliothèque de Tyros, mardi, Sébastien Gendron, auteur d'une quinzaine de nouvelles et romans policiers, et 4 jeunes tyrossais étaient réunis pour la première séance d'écriture de leur futur polar. J'ai fait un peu de pédagogie autour de ce que c'était que le polar, l'écriture d'un roman policier et tout ça. Et puis on a mis en place, après avoir fait quelques jeux littéraires, pour un peu voir leur niveau d'imagination, leur capacité aussi à travailler ensemble autour d'un même texte, on a préparé, en fait, on a choisi le thème de notre histoire. Et puis on a fabriqué en gros le plan des 3 premiers épisodes pour savoir à peu près dans quoi on allait et vers où on partait. Quoi. Qui va pour Poignard ? Alors Poignard ? Pour Flingue ? Poignard ou... Voilà ! 3 pistolets ? Ouais. Déjà au début on a donné des noms, on voulait que ça soit anglais, plutôt ça faisait c'était bien. Après on a donné un lieu, on a voulu Miami. Après, on a fait une situation initiale, enfin les personnages et tout. On n'a pas trop réussi pour ça, mais Sébastien nous a aidés. Après, ça a pas déroulé tout seul, mais ça nous a aidés pour les autres chapitres. Les jeunes et Sébastien Gendron vont se réunir régulièrement pendant 7 semaines pour écrire 5 épisodes de leur feuilleton. Une écriture à plusieurs mains dans laquelle l'auteur canalise l'imagination débordante des ados et leur rappelle les codes d'un bon roman policier. C'est arrivé en fait à border leur imagination, pas tant en la censurant, parce que c'est pas le principe. Enfin, d'ailleurs, je trouve que l'imagination, il ne faut pas que ça se bride. Mais c'est surtout arrivé à leur faire... À ce qu'ils gardent tout le temps en tête qu'on est non pas limité dans le temps, mais on est limité sur un format qui est très court. On a 5 épisodes pour régler une intrigue. Donc ça veut dire tout un tas de choses à comprendre. On ne peut pas faire intervenir trop de personnages, on ne peut pas faire intervenir trop de péripéties. Il faut qu'on reste sur un sujet qu'on puisse cadrer en 5 épisodes avec le grand classique du genre, un meurtre au départ, une enquête policière et on retrouve le tueur et puis on a les mobiles à la fin et l'explication à la fin. Donc voilà, c'est le seul truc sur lequel je les cadre. Tout en essayant aussi de les faire réfléchir à tout ce qu'il peut y avoir comme rebond dans chacun des épisodes pour éviter que ce soit une simple ligne droite allant de l'enquête jusqu'au criminel. Quoi. Même si on n'a que 5 épisodes, ça n'empêche qu'il faut quand même meubler ces épisodes avec au moins une péripétie par épisode pour qu'il y ait un peu souffle, un peu aventure, un peu
Un peu thriller, un peu suspense. Du suspense, de l'aventure, de l'humour, une histoire au style un peu décalé, comme les aime l'auteur, qui laisse aux ados le soin d'écrire l'histoire avec leur propre style. J'ai pas envie justement de mettre ma patte là-dedans. C'est vraiment, ça va être leur histoire, quoi. Je suis là pour mettre des, de mettre quelques bornes à l'histoire qu'on est en train de raconter, pour qu'elle tienne la route. Mais ça sera moi ma seule, ça sera ma seule présence dans le texte, quoi. C'était super parce que déjà ça a développé notre imagination. Puis après, donc, on l'a mis en valeur. Hein. C'était bien. Moi j'ai vraiment aimé parce que c'était. En plus, c'était bien, c'était ludique, alors ça m'a vraiment plu. Pour découvrir ce qui va arriver à Mike qui a tué son meilleur ami John, rendez-vous sur le blog à 16 mains où un nouvel épisode est mis en ligne tous les jeudis, ainsi que le journal de bord de l'atelier tenu par l'auteur. La Mamizelle accueillait vendredi 11 avril le groupe toulousain Scarecrow pour le plus grand plaisir des amateurs d'originalité. Scarecrow, c'est un style nouveau, le blues hip-hop. Explication. Le blues hip-hop, c'est la fusion de deux styles de musique majeurs, on va dire. Et le but du jeu de Scarecrow, ça a été de trouver au fur et à mesure qu'est-ce qu'on pouvait trouver de hip-hop dans le blues et qu'est-ce qu'on pouvait trouver de blues dans le hip-hop. Pousser le concept encore plus loin pour pas simplement associer deux styles de musique comme on pourrait le faire de manière simple, mais essayer de trouver une recette un petit peu plus complexe et fonctionner par touche de, on va dire, par touche de couleur. C'est un travail qu'on continue à faire parce qu'on continue à pousser le concept, on continue à réfléchir énormément à cette musique-là pour proposer non pas une, on va dire un choc de deux musiques, mais réellement une fusion et un nouveau style à part entière qui est le blues hip-hop. Le groupe existe depuis 4 ans et s'est composé à Toulouse, notre ville de prédilection. On s'est rencontré d'abord avec Antibio, le scratcher rappeur. Après j'ai rencontré Jamo sur une scène ouverte, Lolo était dans la même école de batterie que Jamo. Ça s'est fait un peu progressivement, ça veut dire. On s'est vraiment découvert avec le live et avec la composition, on a commencé à composer. C'est de toucher à ce concept qui est le blues hip-hop. On parle de notre vie, on parle de ce qu'on pense, c'est comment dire, c'est une photographie d'un instant. On parle des affres de la vie et de comment vivre, quelle est la condition humaine au 21e siècle. On est autoprod, même si on travaille avec une prod toulousaine qui nous aide au développement du groupe, mais en grande partie le travail est fait en amont par les membres du groupe et d'autres personnes qui nous entourent depuis le début. Et c'est une volonté du groupe de garder cette indépendance-là vraiment et d'avancer le plus loin possible dans ce style d'autoprod. Il y a réellement une volonté, je dirais presque politique, de travailler en famille parce qu'on produit le graphisme, Facebook c'est nous qui gérons, c'est pas quelqu'un qui va écrire à notre place, c'est nous qui gérons toute la production en fait de A à Z. Au niveau discographique aussi, on enregistre, on masterise, c'est nous qui gérons la totalité de la production musicale et c'est primordial aussi pour qu'on puisse faire uniquement la musique qu'on veut faire, qu'on aime faire, et pas qu'on nous impose une musique à jouer pour vendre ou quoi que ce soit. L'accueil ici est plutôt très agréable. Ça fait plaisir de venir dans cette partie de la France. On n'a pas souvent joué dans les Landes. Et 10 minutes avant de monter sur scène, il y avait 20 pélos dans la salle, on était là. Ça sent la répète forcée un peu. Et puis on est monté sur scène et on a vu que... Certes, c'était pas plein, comme Jean-Pierre, mais il y avait largement de quoi partager et faire une bonne soirée. On peut remercier la Mamizelle pour avoir fait une bonne com, avoir bien affiché. Non, c'était nul. c'était super bon. Très bonne soirée, public attentif, public curieux et public éclectique. Les gens qui étaient là étaient concernés, j'ai envie de dire. Ils découvraient ce qu'on faisait ce soir. Certains avaient découvert avant sur internet. Ouais, super, comme d'habitude. Toujours aussi géant. Je suis quand même assez surpris ici à Soubrig de voir que les gens étaient quand même assez contents d'entendre ce genre de musique. Donc là, on vient de sortir notre nouveau maxi. Donc le principe du maxi est un.
un délire des années 90 dans le hip-hop où tu sortais une galette en vinyle, où tu proposais une face A qui tabasse et une face B qui tabasse encore plus, mais qui était plus pour un public averti, on dira. Et sinon, là, on en est à notre troisième galette avec un premier EP qui s'appelle This is Blues Hip-Hop, un album qu'on a réédité qui s'appelle Devil and Crossroad, et donc ce maxi en vinyle qui s'appelle The Well. Tout ça, vous pouvez le trouver un peu partout autour de vous, que ce soit sur l'internet ou dans vos shops préférés. On est en train de réaliser une bonne série de clips là sur l'année. Si vous regardez les deux derniers clips, vous... voilà, il y a une histoire qui commence à se développer. On a une tournée cette année qui est chaton, comme on dit chez nous, c'est-à-dire qui est très conséquente. Et après, on est un peu partout en France, dans quelques pays d'Europe. Et on sera aussi le 12 juillet à Tarnos pour les Océaniques, si je ne m'abuse, et le 15 août à Musique à la Rue, à Luxeuil. Et Dieu sait qu'on a des bons souvenirs à Musique à la Rue à Luxeuil. En attendant leur venue lors des Océaniques et de Musique à la Rue, vous pouvez les retrouver sur leur site internet blueshiphop.com. Merci beaucoup. C'était Scarecrow. Et maintenant, voici votre agenda. Ce week-end à Dax, vendredi de 11 à 19h, samedi et dimanche de 10 à 19h, se tiendra le salon de l'habitat avec un pôle spécial bois. Et à Azur, samedi et dimanche, venez à la rencontre d'artisans créateurs à l'espace François Mitterrand. Vendredi 25 avril à 21h au Bourdaine, Bass se produit en concert. Un mélange de soul et de chansons françaises qui vaut le détour. Samedi maintenant, la compagnie Le Grenier de Babouchka vous attendra à 20h30 au centre sportif Maurice Ravaille à Seignos pour une pièce de théâtre La peau d'Elisa. Et à la salle Roger Hanin de Souston, David Quérol, chanteur et compositeur basque, nous fera voyager entre reggae, soul et folk à 21h. Et c'est Janine Debic qui a gagné les deux places pour aller le voir. Quant à Lune de la Chance, elle sera en concert à Seignos à l'Écume des Mots. Dimanche sera la journée commémorative aux victimes et héros de la déportation. À l'occasion du 69e anniversaire de la libération des camps, aura lieu à Dax une cérémonie à 12h au Monument aux Morts, Square Max Mora. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi 25 avril pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.